Allô? Non, non, je n'en ai toujours pas dit. Non, mais ne me parle pas de date. J'ai déjà pas l'argent pour l'opération. Honnêtement, je sais pas ce que je vais faire. Hein. J'aurais dû t'écouter, j'aurais jamais dû venir. Ouais. Je vais te laisser, les enfants doivent bientôt revenir. Salut. 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 Merci. Au revoir, bonne solution. Vas-y, j'ai une idée. Et on fait quoi? On va voir. On prend le risque? On est obligé, on n'a pas le choix. Wesh, wesh, wesh. Wesh. Ciao. Ciao. On va essayer le compte. 50, 100. C'est bon pour le rationnement. 8 boules! Qu'est-ce qu'on m'avait vendu, hein? Putain, trop! Prenez! Tu parles, mon frère! Oh non! Oui, allô? Allô, madame, vous êtes bien la mère de Yanis? Oui, pourquoi? Bonjour, madame, je me présente brigadier Diklik au commissariat de Strasbourg. Ouais. Je suis en présence de votre fils. Il a été victime hier rue de Bar à 12h de violences volontaires en réunion. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je vous rassure, il n'est que légèrement blessé et a fait l'objet de soins. Ouais. Néanmoins, se présente un problème majeur le concernant lui et son frère. Ils font l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire. Non, vous pouvez pas faire ça, c'est pas possible. Étant ressortissant d'un pays hors Union européenne et n'ayant jamais régularisé leur situation depuis leur entrée sur le territoire français. Cet après-midi, les services de police aux frontières prendront le relais afin d'effectuer les mesures administratives, e-douanes, et ce, afin de procéder à leur expulsion du sol français.